Radio Nationale du Mali, il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Merci de votre écoute radiophonique. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans les grandes lignes de cette édition, une délégation de la Commission de l'Union africaine séjourne dans notre pays. Elle a eu plusieurs séances de travail hier au ministère des Affaires étrangères, au CNT, à la Prémature, où le Premier ministre a exhorté l'organisation africaine à lever les sanctions contre le Mali. À Sikasso, la question de la résilience des populations face aux catastrophes naturelles est au cœur d'une rencontre qui réunit plusieurs acteurs. La finalité de ces 5 jours d'échange est de mettre en place une stratégie appropriée de prévention et de riposte des risques de catastrophes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main pour être efficaces dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile et infantile au Mali. En sport, il sera essentiellement question de football. D'abord le CHAN Algérie 2022 avec les demi-finales qui s'annoncent explosives aujourd'hui et le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans qui aura lieu demain mercredi. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, une délégation de la Commission de l'Union africaine conduite par son président, le Tchadien Moussa Faki Mahama, a eu hier 3 séances de travail, d'abord au ministère des Affaires étrangères, ensuite au Conseil national de transition et à la Prémature. Partout, il a été question des avancées de la transition, de l'accord d'Alger et du retour des réfugiés. Le Premier ministre a exhorté l'Union africaine à lever les sanctions contre notre pays. Le récit de Adama Ndjimdi. Cette 3e mission de la Commission de l'Union africaine au Mali témoigne de l'importance de l'attachement de l'organisation continentale à accompagner notre pays. Cette visite de la Commission de l'Union africaine se situe dans le cadre d'une dynamique de concertation et d'écoute des autorités de la transition pour mieux comprendre ce qui se passe au Mali. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a évoqué les efforts entrepris par son équipe pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Je voudrais vous donner l'assurance de la détermination du gouvernement tenir ses engagements tant avec la communauté régionale et internationale qu'avec la communauté nationale qui a clairement exprimé sa vision du Mali nouveau au cours des assises nationales de la refondation de l'État tenues en décembre 2021. Les efforts de réforme seront poursuivis de manière à atteindre le point de non-retour dans le processus de redressement de notre pays. De la manière où nous intensifierons le processus de réforme et les préalables à la tenue d'élections inclusives, apaisées et crédibles. Notre détermination à poursuivre sur la voie de réforme n'a d'égal que la soif de réforme de notre vaillant peuple, ainsi que notre aspiration à la justice et à la sécurité. Je voudrais également vous réitérer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous sollicitons la réintégration du Mali au sein des instances de l'Union africaine, parce que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution de nos engagements. Le Premier ministre a réaffirmé que son pays est tout à fait disposé à tenir ses engagements contractuels au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. M. Maïga a aussi clarifié les positions de principe des autorités, principe qui donne au Mali toute sa dignité et le classe parmi les nations non intimidables. On a vu ici pour survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale. Nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement poursuivra la restauration de la sécurité
sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, a semble-t-il compris le message du peuple malien. Auparavant, la délégation avait eu une séance de travail avec le président du CNT, le colonel Malik Diaw, et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Rencontre d'échange à la primature entre le gouvernement et les membres du comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation autour du projet de document concernant l'application des recommandations des ANR. Le comité avait fait des observations sur certains points qui devaient être revus par le gouvernement. Et au cours de la rencontre, les deux parties se félicitent de l'évolution du travail. On fait le point avec Aridjou Matina. Instrument suggéré pendant les assises et dont les membres sont choisis par le président de la transition, le comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, sincère ANR, a rencontré les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre. Il s'agissait à travers cette retrouvaille d'apprécier le niveau d'exécution des travaux car le projet de document qui avait été élaboré par le gouvernement en vue de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation avait été revu par le sincère ANR qui avait soulevé certains points. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, a opportunément rencontré pour présenter le résultat obtenu par le gouvernement dans la mise en œuvre des actions retenues au titre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Après leur appréciation, d'affiner les outils de suivi et évaluation. Et le sincère ANR, en retour, nous a présenté un canevas de suivi et évaluation beaucoup mieux outillé et qui permet d'être plus dynamique dans l'appréciation de la mise en œuvre des indicateurs. Le sincère ANR se positionne comme sentinelle du peuple pour une refondation sincère et efficace. C'est ainsi qu'il reste engagé à jouer pleinement son rôle pour la parfaite concrétisation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Maître Amadou Tchaoulé Diarra, coordinateur général du sincère ANR. Dans le cadre stratégique de la refondation, il y a des indicateurs qui ont été conçus. Le gouvernement a travaillé sur ces indicateurs. Le sincère également a travaillé sur les mêmes indicateurs. La rencontre était en fait basée sur le fait que nous devons avoir la même compréhension de la mission commune. Le chef du gouvernement, le docteur Chogel Kokala Maïga, dans son intervention, a remercié les membres du sincère ANR pour leur engagement avant de demander aux membres du gouvernement d'être à l'écoute du comité. En troisième région, comment renforcer au mieux la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et amener les victimes à résister à leurs conséquences? Plusieurs acteurs du domaine se sont réunis pour échanger sur la question. C'est à la faveur d'un atelier national bilan des inondations de 2022. Une rencontre de 5 jours dont la finalité est de mettre en place des stratégies et actions appropriées de prévention et de riposte des risques de catastrophes. Le compte-rendu de Moussoukoro Sérémi. Entre effets des changements climatiques, forte croissance démographique ou encore dégradation des ressources naturelles, nombreux sont les phénomènes qui favorisent les risques de catastrophes naturelles dans notre pays, parmi lesquels les inondations. À cet atelier national bilan des inondations 2022, les acteurs évaluent et valident les niveaux de mise en œuvre des plans de préparation et des outils de gestion des risques et des catastrophes. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire. Les inondations causées par les pluies diluviennes occasionnent d'année en année d'importants dégâts, aussi bien matériels qu'humains. Ainsi, au cours de l'année 2022, le bilan provisoire des inondations fait état de 4230 ménages touchés, occasionnant 27640 personnes sinistrées, avec malheureusement 4 cas de décès et d'importants dégâts sur les habitats, les outils de production, les cultures et les animaux. La rencontre de Sikasso, initiée par la Direction nationale du développement social et celle de la protection civile, est soutenue par l'UNICEF. L'organisation appuie les efforts de l'État malien à travers son programme de coopération pays Mali-UNICEF 2020-2024 en vue de répondre aux besoins des personnes en situation d'urgence. Anne Daher Aden, chef des opérations de terrain et des urgences à l'UNICEF.
Grâce au partenariat dynamique entre les structures gouvernementales en charge de la préparation et de la réponse aux urgences et l'UNICEF, des réalisations importantes ont été faites et des résultats significatifs ont été obtenus. J'aimerais citer le renforcement de la coordination des structures étatiques grâce à des comités de veille et de gestion de crise et catastrophes opérationnels, l'élaboration et la mise à jour annuelle des plans de réponse aux inondations au travers des ateliers bilan et de ces outils de collecte d'informations. Le cadre qui regroupe près de 70 participants de toutes les régions du Mali devra donc permettre de mettre en place des stratégies et des actions appropriées de prévention et de riposte. La finalité est de parvenir à renforcer au mieux la résilience des populations face aux différents phénomènes. Sikasso, Moussoukora Sérémé et Souleymane Bamba pour l'ORTM. Le financement des projets productifs relatifs à l'insertion des jeunes dans les filières agricoles est au centre d'une séance de travail entre les responsables du Conseil régional de Ségou et ceux de la coopération luxembourgeoise. Prennent part à cette rencontre les représentants des services techniques de l'État et d'autres partenaires au développement des régions de Ségou et de Sang. Les précisions sur cette rencontre avec Foussini Samaki. L'insertion des jeunes et le soutien aux chaînes de valeurs agricoles sont au cœur des programmes mis en œuvre par le Conseil régional de Ségou à travers la coopération luxembourgeoise LuxDev. Cela passe par le financement des projets productifs d'initiatives privées, individuelles ou collectives pour insérer les jeunes dans les filières d'opportunités d'emploi. Soriba Diakité, assistant technique développement des filières de LuxDev. C'est pour financer des initiatives portées par des jeunes, des femmes, des EAF et des micro et petites entreprises. C'est vraiment des filières d'opportunités d'emploi dans la région, donc qui seront financées par le conseil régional, donc à travers des dispositifs, des partenaires qui seront mis en appui pour vraiment soutenir l'insertion des jeunes dans les métiers liés aux filières agricoles. Les règles et mécanismes de subvention et de garanties mises en place sont harmonisés dans le cadre du programme de LuxDev. Adama Kolo, président du conseil de cercle de Massina. Le fait d'installer, de former les jeunes et de les installer est une épine de moins dans nos pieds parce que notre raison d'être est de pouvoir développer. Et en développement, il faut passer par les jeunes et les femmes. Yaya Bamba, premier vice-président du conseil régional de Ségou. La phase d'extension du programme MLI 022 vise l'insertion de 500 jeunes dans l'auto-emploi ou dans les activités génératrices de revenus par une approche de parcours d'insertion économique basée sur les résultats des bilans de compétences. Les filières retenues pour ces procédures de financement sont les filières riz, sésame, fonio, embouche, aviculture et maraîchage dans les régions de Ségou et de Sang. Ségou, Fousséini Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso. 12 militaires et un civil ont perdu la vie hier dans une attaque terroriste. Selon un bilan provisoire de l'état-major burkinabé dans un communiqué, il précise que des gendarmes supplétifs de l'armée stationnés à Falangoutou, une localité dans le nord du pays, ont fait face dans l'après-midi à une attaque terroriste. Le pape François effectue ce mardi une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Le chef de l'Église catholique se rendra au Palais de la Nation. Il sera reçu par le président Félix Tshisekedi. Il fera ensuite un premier discours devant les autorités, le corps diplomatique et les représentants de la société civile. Des dizaines de milliers de fidèles chrétiens devraient participer ce soir à une veillée de prière à l'aéroport Ndolo de Kinshasa. Une messe géante est prévu pour demain matin, à laquelle plus d'1 million de fidèles sont attendus. En France, une seconde manifestation des syndicats s'est tenue aujourd'hui à travers le pays contre la réforme des retraites. Les opposants de cette réforme ont commencé à défiler dans des cortèges dans plusieurs villes de France. Environ 1 200 000 manifestants sont attendus selon la police. Au total, plus de 200 manifestations contre la réforme des retraites est prévue ce mardi à travers le pays. Les syndicats espèrent faire plier le gouvernement français sur son projet phare.
Au Pakistan, le bilan de l'explosion survenue hier dans une mosquée de Peshawar dans le nord-ouest du pays s'est alourdi. Au moins 83 personnes ont été tuées et 150 autres blessées. De nombreux fidèles étaient en train de prier lorsqu'elle a retenti. Selon certaines sources sécuritaires, un kamikaze qui se trouvait au premier rang dans la mosquée aurait déclenché sa charge en pleine prière. Une enquête a été ouverte pour vérifier ces premières informations. Mais l'actualité, il est 13h passé de 14 minutes. À présent, la page sport de ce journal. L'actualité sportive, c'est avec Siriakou Cissé. Bonjour. Bonjour, Bemba Sibi. CHAN Algérie 2022, les demi-finales s'annoncent explosives ce mardi. Oui, deux grands et inédits rendez-vous nous attendent ce mardi. Le premier à Oran à 16h entre l'Algérie et le Niger. La dernière demi-finale des Fenech locaux d'Algérie remonte à 2011. Le MENA local du Niger, lui, arrive à ce stade pour la première fois de son histoire. L'Algérie et le Niger n'ont pas encaissé de but dans ce CHAN. Le second rendez-vous se tiendra à Alger à 19h. Au menu, Sénégal-Madagascar. Les Lions de la Teranga locaux du Sénégal ont atteint les demi-finales en 2009. Les Malgaches, séduisant jusque-là, disputent leur premier CHAN et leur première demi-finale. Madagascar à la meilleure attaque du tournoi. On récapitule Algérie-Niger à 16h sur OTM 1 et Sénégal-Madagascar à 19h sur OTM 2. Le tirage au sort de la CAN de moins de 17 ans aura lieu demain mercredi. Le Mali connaîtra ses adversaires du premier tour. Oui, la cérémonie est prévue ce mercredi à 11h, temps universel à Alger. Le Mali sera en concurrence avec 11 autres pays. La CAN des moins de 17 ans, c'est du 29 avril au 19 mai dans trois villes, Alger, Annaba et Constantine. Les Aiglonais sont coachés par Soumaïla Koulibaly, capitaine des Aigles du Mali, à la CAN 2002. En Europe, place ce soir au match de Coupe nationale. En Allemagne, on joue à partir de ce mardi les huitièmes de finale. Dès 17h, Paderborn, club de deuxième division, contre Stuttgart, club de première division. Et à 19h45, choc entre clubs de première division, Union de Berlin-Wolfsburg. La suite demain mercredi. En Angleterre, on met le calendrier des 32e de finale à jour. Birmingham City et Blackburn s'affrontent pour une place en 16e de finale. En Coupe de la Ligue, les demi-finales retour sont programmées ce soir à 20h, temps universel. Manchester United reçoit Nottingham Forest et Newcastle est l'hôte de Southampton sans Moussa Dienepo blessé. Et en Espagne, notez les affiches des demi-finales pour la semaine prochaine. Real Madrid, FC Barcelone et Osasuna Pamplona, Athletic Bilbao. Les amateurs de football sont bien servis ce mardi. Merci Siriakou Cissé pour toutes ces informations. On suit ensemble la chronique Initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main pour être efficaces dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale et infantile au Mali. Depuis sa création, elle est active sur le terrain à travers des caravanes de sensibilisation, des émissions radiophoniques, des productions de supports audiovisuels afin de mieux sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Tous et Chacun. L'association Tous et Chacun est une initiative d'une dizaine de structures qui a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission d'aider l'État dans ses efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en apportant une contribution à la réduction de la mortalité néonatale infantile. C'est dans ce sens qu'elle organise chaque année une caravane de sensibilisation et d'information avec des causeries éducatives dans les CESCOM et des émissions radio. Babi Korotumu Oumar Kontao, présidente de l'association Tous et Chacun. Nous faisons la promotion de la santé de la reproduction à travers les sensibilisations pour amener la population à adopter les bonnes pratiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Et si nous prenons les causes des décès maternels, nous avons un retard qui est le retard dans la prise des décisions au sein de la population. Nous partons à la rencontre des leaders communautaires, des leaders religieux,
les groupements de femmes, la jeunesse, dans les régions, dans les cercles, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous parlons de la planification familiale, nous parlons de l'accouchement dans un centre de santé, les avantages de la consultation prénatale. Nous organisons aussi une caravane de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. Au-delà des difficultés souvent liées au manque de financement et l'obtention d'une bonne logistique pour réussir sa mission, l'association s'est implantée un peu partout afin de mieux vulgariser les messages. Nous sommes dans 46 communes, dans les districts de Bamako, dans les cercles de Kalabankoro et de Kati. Nous passons dans les 16 COM pour sensibiliser les mamans sur l'allaitement maternel exclusif et la diversification alimentaire. Comme difficulté, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour atteindre notre objectif qui est d'étendre cette sensibilisation. Pour être encore plus efficace dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile, elle a des perspectives. Babi Korotumu Oumar Kontao, présidente de l'association Tous et Chacun. Les perspectives dans le futur que l'association Tous et Chacun envisage, c'est de transformer l'association en ONG et avoir beaucoup de partenaires pour atteindre nos cibles et créer une large chaîne de communication autour des enfants et des adolescents sur leurs droits à la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé et du Développement social de l'enquête démographique de la santé, le taux de mortalité maternelle néonatale et infantile reste encore élevé au Mali. Ce taux est de l'ordre de 325 pour 100 naissances vivantes, 33 pour 1000 nouveau-nés. C'est pourquoi l'association Tous et Chacun, au dire de sa présidente, s'engage à faire baisser la courbe, mais compte sur l'adhésion de la population. Voilà, c'est la fin donc de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique d'Absé Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Dossé Baba Diarra, coordination éditoriale Ousmane Dao. Tout de suite, Kani Keita sera là pour les avis et communiqués. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Barakissa Ouattara. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.